Les amis, je suis à Paris. Les amis, je suis à Paris pour 3 jours avec ma petite maman et ma petite Cindy. On vient pour trouver du tissu pour nos petites créations en fait de Noël. Et puis on va surtout aller au salon du DIY demain à Porte de Versailles. Je suis essoufflée, j'ai plus fait de sport depuis 3 mois. Tous les escaliers à monter. Et en gros, aujourd'hui, petite balade dans Paris avec Cindy qui est notre super guide que je vais vous présenter, vous ne l'avez jamais vu. Présente-toi à mes abonnés. Ouais. Et bien Cindy, Cindy, la couturière de notre petite future marque Miss Suzette peut-être. Ouais, c'est ça, on va y travailler. Exactement. Donc là, on va faire un petit brunch déjà pour prendre des forces. Excellente idée, j'ai faim. Et après les boutiques. Yeah, vamos. Ah, attends, alors si j'arrive à tout mettre dans la bouche. Très petit. Très très bon. Are you satisfied, mama? Yes. Ah, Cindy, on te voit dans la mirror. Oh merde. Jamais vu celui-là. Oh. Que va choisir Miss Suzette? J'aimerais vraiment bien celui-là, il est bon, je trouve. Pour les tabliers? Bah pour le tablier, ouais, même pour tu sais des manières. Après il y a celui-là qui est rigolo aussi, mais c'est vrai qu'après si on veut faire un celui-là, il est joli aussi. Celui-là. Ouais. Plus, mais après, ça fait peut-être moins Noël. On va voir. Surprise bientôt. 2 hours later. Bon, les amis, on vient de sortir de la mercerie. On est un petit peu fatigué, hein. Mais on a trouvé des jolis tissus. Ah oui. Ouais, ça va être sympa. On a trouvé ce qu'il faut pour une jolie collection. Donc maintenant, on va aller un peu se balader parce que là, on a trouvé tout ce qu'il fallait. Donc là, maintenant, on va aller. S'il nous reste encore les petits tissus à trouver. Enfin, non, pas les petits tissus. Il nous reste les, ouais, la petite mercerie à faire. Et ce sera bien, j'ai envie de dire. Voilà. La belle vue sur le Sacré-Cœur et son coucher de soleil. C'est joli, hein. Les amis, on quitte Montmartre pour aller se balader et voir les vitrines de Noël. Qu'est-ce qu'elles fabriquent les deux là? Qu'est-ce que vous faites?
après plus de 10 km, on a vraiment un gros creux. Donc, on va à la Félicita. On était déjà allé avec Félicita. Et du coup, vous allez voir, c'est super beau. C'est un grand hangar en fait. C'est quoi? C'est un marché. C'était un ancien marché. Ouais, c'est ça, un marché. Ouais. Et la déco est trop jolie. Il y a des lanternes partout et il y a différents types de restauration. C'est super beau. Je vais vous montrer ça. Et on va surtout se régaler. On va tout commander. Ah oui, parce qu'on a faim. Du coup, je pense que je vais prendre une petite pizza et un petit cocktail. Bon les amis, on vient d'arriver à l'hôtel. Pour cette première nuit, on est à l'hôtel Oko Hotel, à côté de la gare de l'Est. On a mis Harry Potter en fond. Attendez, je vous montre. Bon, les mardis soirs, c'est Harry Potter en ce moment. Du coup, on a loupé le film, mais c'est pas grave. Du coup, voilà un petit peu la chambre. Je vous montre, rapidos. Hein. J'aime bien l'hôtel là, parce qu'il est vraiment juste à côté de la gare de l'Est. Et c'est pas très grand, mais franchement, c'est parfait. Du coup, voilà pour cette première journée. On a trouvé plein de tissus qu'on voulait pour notre petite... collection de Noël avec Cindy. Et puis demain on va au salon de l'art créatif, il me semble, si je me trompe pas. Je vous emmènerai bien sûr avec moi. Et puis en attendant, écoutez, on va prendre une bonne douche et aller se coucher. Donc je vous dis à demain, donc tout de suite pour vous. Les vitres, elles sont crades. Il y a le soleil. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Les amis, aujourd'hui, donc deuxième journée à Paris. Nous avons un très joli ciel bleu ce matin. Et nous allons aller au salon du savoir-faire. Non, je vais y arriver. Le salon des créations et du savoir-faire. Voilà, j'ai enfin trouvé le truc. Du coup, je vais aller me balader là-bas avec ma petite maman et je rejoins Cindy aussi. On va regarder un petit peu les stands qu'il y a. Et également, j'ai rendez-vous avec Cricut à 11h pour faire un petit coucou en fait. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe. Et l'après-midi, je ne sais pas encore, on avisera avec Cindy le programme. Voilà, tout simplement. On va aller déjeuner parce que, bon, voilà, on a faim forcément après cette nuit de sommeil. Elle dit des gros mots. Bon, il n'y a pas Rodolphe dans ce petit vlog. Hein. Il est resté à la maison bien au chaud parce que les grands voyages comme ça, c'est pas fait pour lui. Voilà, tout simplement. Allez, vamos déjeuner. Les amis, je vous retrouve, je suis au salon du DIY. Du coup, j'ai eu mon petit rendez-vous avec Cricut qui s'est super bien passé. Et là, on regarde les petites décos de Noël. C'est très joli, je vais vous montrer. Regardez comme c'est joli. C'est beau, hein? Oh, c'est super beau. Les amis, on vient de rentrer du salon du DIY. On est claqués hein, parce que c'était fatigant. Beaucoup de choses à voir. Combien du coup, on a besoin d'une petite récompense, j'ai envie de dire. J'ai pas pu beaucoup filmer au salon du DIY parce qu'il y avait énormément de monde. Donc, j'avais pas envie de m'amuser à flûter tous les visages. Mais on a vu de très jolies choses. Et Cindy s'est fait plaisir, n'est-ce pas? Donc là au programme c'est petit thé, petite madeleine et ensuite on va sortir, je ne sais pas où encore, on verra. Eh ben moi non plus. On verra. En attendant, bon appétit. Honte à moi, je n'ai pas terminé la journée d'hier. Je
Je vous avoue, on a profité de la fondue, ensuite on s'est un peu baladé et on est rentré à l'hôtel, on était KO. Donc c'est parti pour la dernière journée à Paris. Donc ce matin, rendez-vous chez Houillard, les fameux bijoux que j'adore. Je fais souvent des collabs avec eux et ils vont me poser un petit bracelet permanent avec ma petite maman. T'en veux un toi de bracelet permanent? Of course. Bah voilà. Et du coup on va, ce sera l'occasion de les rencontrer aussi, donc c'est chouette. Et puis on va aller certainement se balader dans les quartiers que j'aime bien, et à la Samaritaine, parce que ma maman n'a pas vu. Et aussi je pense qu'on ira se balader Place Vendôme pour voir un petit peu les décos. Et on voudrait passer devant la boutique de Cédric Grolet, près de Opéra. Juste pour voir un petit peu les pâtisseries qu'il fait en vitrine, ça doit être trop beau. Donc je vous emmène avec moi dans cette nouvelle journée. Je vous ai pas montré. Hier j'ai acheté ça au salon du DIY. Vous voyez, c'est de l'aquarelle en fait, avec des numéros. Donc vu que moi je fais du coloriage, j'avais envie de tester l'aquarelle, j'ai jamais fait. Vous voyez, à l'intérieur vous avez donc l'illustration à peindre. Il y a deux pinceaux, il y a les peintures justement pour aller avec, les stickers numérotés et je vous explique un petit peu comment ça fonctionne. Et là vous avez donc toutes les couleurs. Je la trouve super belle. Donc là c'est Paris, il y avait d'autres villes. Là il y avait, ma maman voulait prendre celui donc au ski, mais malheureusement il n'y en avait plus. Il y avait également celui-ci, il y avait Amsterdam, mais là il n'y est pas. La Grèce, enfin vraiment c'est sympa je trouve. Donc ah oui, il y a eu New York aussi, ouais. Donc voilà, on repart chargé. J'ai les lèvres, je sais, je n'arrête pas de me mettre du baume à lèvres. On va partir manger le petit déjeuner. Et puis je vous embarque avec moi dans cette dernière direction Houillard, les amis. On est en route pour aller à la boutique. Je vais vous montrer un petit peu tout ça. J'ai hâte. On a de la chance, il fait beau encore. On n'a pas eu une seule goutte de pluie. Ça, c'est le top. Les dieux sont avec nous, les amis. Bon les amis, regardez où je suis, chez Houillard avec Emma. Comment ça va? Ça va et toi? Très bien. Bon du coup, aujourd'hui c'est petite pause d'un bracelet permanent. Donc je vais vous montrer un petit peu, elle va nous expliquer comment ça fonctionne. C'est parti. Donc l'idée du bracelet permanent, en fait, c'est un bracelet qui ne se retire jamais. Ouais. Donc il n'y a pas de fermoir, c'est le but. Donc pas de problème, si jamais on doit le retirer pour des examens médicaux ou par exemple des IRM, c'est une des raisons qui peut justifier le retrait. Vous avez juste en fait à couper le bracelet vous-même à la maison avec une pince coupante ou un coupe-ongle, et nous on ressoude gratuitement. Donc on est sur deux types de matériaux, ce qu'on appelle l'or laminé. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de méga plaqué or. On est sur une durée de vie de plusieurs dizaines d'années. Donc c'est vraiment très très résistant. En gros, ça a toute l'apparence de l'or sans en avoir le prix. Ok. Et de l'autre côté, c'est de l'argent massif. Ah, et tu fais des bagues aussi? Et oui, et je peux faire des bagues aussi. Ah, ouais. Donc c'est plus des bagues sur mesure, parce que bon, l'idée c'est qu'elles peuvent se retirer. Ouais. Donc ça, c'est pour personnaliser alors? Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est des petits charmes. Donc on a deux types. On va avoir tout ce qui est brillant comme ça, c'est des cristaux de Swarovski. Ah oui. Donc en fait, on les a sous deux formats. Soit sous forme de connecteur, soit sous forme de pendentif. Très joli, très raffiné. Voilà, moi j'ai mis un petit charme noir, et de l'autre côté j'ai mon initiale et encore un petit charme noir. Je viens de sortir de chez Houillard. On a papoté un petit peu, hein. Du coup on est en retard, on devait aller voir la Samaritaine et au final ça ne se fera pas. On va aller du côté Opéra Garnier, ce sera plus sympa, et on va passer devant les jolis monuments. Je vais vous montrer la jolie cathédrale de Notre-Dame juste en face, qui malheureusement est en travaux, et là on est devant l'hôtel de ville. Ça, on a de la chance avec le temps quand même. Ah ouais. On a
arrive à Place Vendôme. Prendre une belle photo, il y a toujours une vieille grue derrière quoi pour tout casser. Bah, en fait au milieu il n'y a pas grand chose, hein. C'est surtout sur les côtés où il y a toutes les décos, mais c'est pas ouf en fait. Je vais vous montrer la boutique Chanel qui est très très bien décorée, par contre le reste c'est pas exceptionnel. Regardez la boutique Chanel comme elle est bien décorée. On a toujours une vieille camionnette devant quoi, c'est chiant. Et voilà! Bon, il va être temps de retourner à l'hôtel parce qu'on est en retard là pour le train. On va retourner à l'hôtel et reprendre le train. Je vous retrouverai à la maison certainement. Les amis, on est le lendemain, je suis navrée, j'ai complètement oublié de clôturer le vlog. On est rentré hier en fin de journée, petit repas chez ma mamie comme tous les jeudis. Et voilà, je vous retrouve donc pour cette fin de vidéo. J'espère que ce petit séjour à Paris vous aura plu, que bah voilà, ça vous aura fait plaisir, que je vous emmène avec moi dans cette petite épopée, j'ai envie de dire. Et puis écoutez, on se retrouve très très vite dans une prochaine vidéo des vlogs de Noël de Miss Z. Bye! Rodolphe vous fait la bise, il est au lit en train de faire la sieste.